Et que dans le BTS, on met beaucoup en avant la pratique sur des systèmes variés, donc en atelier. Donc c'est des systèmes qui sont assez réels, parce qu'ils mettent en avant des techniques qui sont actuelles et qui sont développées dans les différentes entreprises. L'étudiant en électrotechnique, il doit être capable d'élaborer, de suivre un projet. C'est une formation bien axée sur la conception, il y a aussi donc au niveau du câblage, il y a tout ce qui est technique. C'est vraiment l'autonomie qui est vraiment mise en avant. L'électrotechnique, ça offre de larges débouchés dans la vie active. On peut très bien être soit dans des bureaux d'études, soit dans la maintenance. Vraiment, l'électricité, c'est assez large parce que ça touche à peu près tout dans la vie qui nous entoure. La finalité de cette formation, normalement, c'est la vie active. Mais pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent continuer. Après, on peut faire une licence professionnelle. Après, pour les plus motivés et les meilleurs, ça peut même déboucher sur une école d'ingénieurs.